je l'apprécie positivement et je me réjouis et félicite l'agence régionale de l'aquaculture qui a mis en œuvre la vision du président de la République. Parce que tout ça, c'est le projet du président de la République dans le cadre du PSE et de la sécurité alimentaire, dans la diversité des activités de développement pour résoudre le chômage des jeunes. On va créer ici des emplois, aussi participer à la sécurité alimentaire. Donc vraiment, je voulais remercier Moussa d'avoir mis en œuvre cette vision pour que les populations puissent avoir une activité diversifiée de développement et participer aussi à la sécurité alimentaire. Et ce que je voulais préciser seulement, demander au comité de gestion, aux techniciens qui seront chargés de l'entretien des étangs et des poissons, vraiment de prendre toutes les dispositions pour que ça puisse résoudre, pour que ça soit simple d'exemple, qu'on puisse étendre cela à d'autres localités de Niagis, parce que Niagis a de réelles potentialités halieutiques. Qu'on puisse étendre ça dans les zones du village. Vraiment, je demande au maire et au comité de gestion vraiment, de prendre le projet à bras le corps, que ça puisse réussir. Pour que déjà, qu'on puisse avoir du poisson en tout temps, et aussi permettre à l'aquaculture de laisser le maître d'étendre ce projet à d'autres villages. Voilà, c'est ce que vraiment je tenais à dire, encourager les acteurs et demander aux techniciens à l'aquaculture de les suivre de près pour que ça puisse réussir. Voilà.